Chers frères et sœurs, nous avions commencé le prêche du vendredi dernier, lors du prêche du vendredi dernier, de citer quelques conseils pratiques dans l'éducation des enfants. Et le premier conseil dont on a parlé, c'est le fait de ne pas privilégier des enfants par rapport à d'autres. Ne pas privilégier les garçons par rapport aux filles, ne pas privilégier celui qui réussit bien ses études par rapport à celui qui ne réussit pas, celui qui est beau par rapport à celui qui l'est moins, celui qui est intelligent par rapport à celui qui est moins, ou celui qui est sain par rapport à celui qui est malade ou qui a une infirmité, etc. Donc les parents doivent considérer leurs enfants à pied d'égalité, quel que soit ce qui différencie les uns des autres. Le deuxième conseil, c'est ne pas multiplier les reproches aux enfants, ne pas crier sur eux et ne pas non plus trop complimenter les enfants. Il y a une différence entre complimenter les enfants, lui donner un compliment et l'encourager. L'encouragement est nécessaire, mais les compliments, il ne faut pas exagérer. Tu es le meilleur, tu es le champion, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. En revanche, l'encouragement, c'est autre chose. Très bien, continue à ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, c'est très bien. C'est dans ce sens qu'il faut aller. Tu as bien accompli ce qu'on attend de toi, ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est un encouragement. Or, il y a une petite nuance. Le compliment, c'est autre chose parce que tu risques d'enraciner l'orgueil dans son cœur. Le troisième conseil, c'est le fait d'être à l'écoute des émotions de l'enfant. Il faut savoir que les enfants ont des émotions et il ne faut pas étouffer ces émotions. Les centres d'intérêt des enfants ne sont pas les mêmes que les parents. L'enfant a un monde à lui à part. Il y a certaines choses qui vont lui apporter la joie et la gaieté, il y a d'autres choses qui vont lui apporter la tristesse. Et il se peut que ces choses-là ne sont pas très signifiantes pour toi en tant que parent. Son centre d'intérêt ne t'intéresse pas. Il y a quelque chose qui l'a choqué, ça va l'enfoncer dans une tristesse, et pour toi, cette chose est négligeable. Donc à partir de là, dès que tu sais qu'il est touché, et que son émotion a été a tremblé, tu te dis, mais c'est rien ça, c'est pas important. Non, il faut que tu donnes autant d'importance que ce que donne ton fils à certaines choses dans son petit monde. Qu'il s'agisse des choses qui sont bénéfiques ou des choses qui sont négatives dans sa vie. L'enfant aime bien à ce que ses parents partagent avec lui ses émotions. Regardez dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, Anas ibn Malik radiallahu anhu, on a parlé de lui la dernière fois, il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de 10 ans, lorsqu'il était âgé de 10 ans jusqu'à 20 ans. Donc il était jeune. Et il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rendait de temps en temps visite, c'est-à-dire chez ma mère, parce que son père était décédé, et donc sa mère Sulaym vivait avec lui, et de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rendait visite, alors qu'il le voyait chez lui, puisqu'il était son serviteur, à son service. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendait service, rendait visite. Et il disait, et j'avais un petit frère qui s'appelait Abu Umair. Ça, c'est bien entendu un surnom, parce qu'à l'époque, c'était une pratique, c'était une tradition que de donner des surnoms aux enfants. Cette pratique, bien entendu, aujourd'hui, elle est très mal vue. Si tu appelles ton fils Abu Dujana ou Abu Intel, on va dire que tu appartiens à Daesh. Donc tout dépend de la situation dans laquelle nous sommes et le contexte dans lequel nous sommes. Donc donner un surnom à l'enfant, c'est quelque chose de bien. Donc nous, on peut donner des surnoms à nos enfants, pas forcément Abu Intel comme ça se faisait autrefois, mais on peut un diminutif par rapport à son prénom, des choses de ce genre là le fils, il était surnommé Abu Omar, mais on l'appelait Abu Umair. Donc c'est un diminutif de Omar, Abu Umair. Et donc il disait, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mon frère avait à peine dépassé l'âge du sevrage, ça veut dire qu'il a dépassé 2 ans, il avait peut-être 2 ans et demi, 3 ans, un très petit enfant. Et il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré un jour et il l'a trouvé attristé. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a Abu Umair? Qu'a-t-il Abu Umair? On lui a dit, il a perdu son petit oiseau. Il avait un petit rossignol et ce petit animal est mort.
Donc il était attristé. Pour nous, c'est quelque chose d'insignifiant. Un petit oiseau qui est mort, c'est rien de grave. Et là, le prophète, il est allé vers lui, s'est penché vers lui, et il lui a dit, « Ya Aba Umair, oh Abu Umair, qu'est-il arrivé à Nughayr ? Qu'est-il arrivé à ton oiseau ?» Donc là, c'est pour partager avec lui les émotions qu'il a. Il voulait le faire parler pour qu'il lui fasse part de ce qu'il ressentait. Et ceci est très important. Et d'autant plus que ça apparaît de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas de son propre enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est un enfant qui a à peine 2-3 ans. Et malgré cela, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite remarqué l'état émotionnel de l'enfant. Ton propre enfant, il est à côté de toi et tu n'es même pas au courant de ce qu'il vit. Tu n'es même pas au courant s'il est dans la tristesse, s'il a sombré dans la joie, rien du tout. Tu es complètement éloigné et inconscient de ce qu'il est. Non, donner de l'importance à l'émotion de l'enfant et savoir dans quel état il est. Et essayer de partager avec lui un dialogue. Donc le professeur Asim l'a poussé à parler. Qu'a-t-il fait ? Qu'est-il arrivé à ton petit oiseau An-Nughayr ? Donc forcément, il a engagé un dialogue, un échange avec lui. Donc forcément, on peut imaginer que l'enfant va commencer à se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le rassurer, va lui montrer que la mort, c'est quelque chose qui est naturel dans la vie, c'est une loi de la vie, et ainsi de suite. Donc c'est l'occasion d'entamer avec lui une discussion sur des choses qui sont importantes dans la vie, ce qu'est la mort, ce qu'est la patience, et ainsi de suite. Et ça vous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très proche, bien des adultes et encore des enfants. Et alors qu'en est-il lorsqu'il s'agit de nos propres enfants? Et là aussi, il faut tirer une leçon, c'est que nous devons aussi nous intéresser aux enfants des autres. Lorsque je vois un ami à moi qui ramène son enfant, ou lorsque je vois l'enfant de quelqu'un qui est à la mosquée, il faut que je me rapproche de lui, que je le salue, que je parle avec lui, comment tu t'appelles, tu l'encourages lorsque tu le vois à la mosquée, et ainsi de suite. C'est pas tu salues son père, et tu es indifférent vis-à-vis de l'enfant. Forcément, l'enfant va se sentir comme quelqu'un qui n'a pas d'importance, qui n'attire pas l'attention des adultes. Donc, à travers le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément de leçons à tirer. Nos enfants, dans la société dans laquelle nous vivons, nous savons qu'il y a énormément de personnes qui sont racistes ou ils sont hostiles à notre religion. Et nos enfants sont innocents. Lorsqu'ils vont à l'école, ils se considèrent comme pareils à leur père, égaux à leur père. Mais arrive forcément un moment ou un autre où ils vont être touchés par une remarque raciste, une remarque islamophobe et une insulte qui le renvoie vers son identité. Et imaginez cet enfant qui a grandi dans l'innocence. C'est un choc énorme. Le premier jour où il va recevoir une insulte par rapport à son origine ou par rapport à sa religion. Donc s'il n'y a pas un dialogue avec l'enfant à la maison, l'enfant jamais il va le partager avec vous l'émotion qu'il a sentie, le choc qu'il a eu. Alors qu'en revanche, lorsque les parents nouent toujours un dialogue avec leur enfant, l'enfant va venir, il va faire part de ce qu'il a subi à son père, à sa mère. Et c'est là justement où il faut engager un dialogue, une explication, pour justement expliquer à l'enfant qu'auprès de ce qui compte, c'est comment on est considéré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal ne différencie pas entre le noir, le blanc, l'arabe, le non-arabe et ainsi de suite. Donc là, c'est l'occasion justement de lui montrer la justice d'Allah Azza wa Jal et l'équité divine pour le rattacher à Dieu et le rattacher à la religion. Lui montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les esclaves, se comportait avec les noirs, se comportait avec les non-arabes. C'est l'occasion justement de nouer ce dialogue. Et lui montrer la grandeur de l'islam et la grandeur des valeurs qui sont universelles de toute façon et des valeurs religieuses. Donc là, ça va apaiser un peu l'enfant et ça va lui donner donc un peu de patience, bien entendu, et il va se donner de la considération d'appartenir à cette grande religion. Alors que si vous êtes indifférent des émotions de vos enfants, c'est quelque chose qui va passer sous vos yeux, vous n'allez pas la voir. C'est comme si quelqu'un mettait de la poussière sous le tapis, et on ne sait pas le jour où justement on va découvrir que cette poussière va faire des dégâts dans sa vie. Il en est de même lorsque l'enfant est joyeux pour un événement ou grâce à un événement ou pour un jouet qu'il a eu. Donc là aussi, il faut partager sa joie et non pas la minimiser ou considérer qu'elle n'a pas de valeur. Donc descendre à son niveau émotionnel et partager avec lui ses émotions et ses sentiments. Le quatrième conseil qu'on peut prodiguer dans
dans ce sujet, ou bien concernant ce sujet-là, c'est le fait de valoriser l'enfant même devant et surtout devant les adultes et devant les étrangers. Il faut que les parents prennent l'habitude d'accompagner de se faire accompagner par leurs enfants dans certaines assises. Tu vas rendre visite à tes proches, tu vas aller à la mosquée, tu vas dans une réunion, des choses comme ça, tu te fais accompagner par tes enfants pour les faire participer à des assises de personnes adultes. Bien entendu, il faut leur donner les bons conseils, les bonnes convenances, apprendre les bonnes convenances avant d'aller dans ces assises. Tu ne peux pas ramener un enfant perturbé et perturbateur à l'intérieur d'une assise. Tu l'éduques bien, tu lui montres les bonnes convenances et tu l'accompagnes avec toi. Et il n'y a que du bien à ce que l'enfant s'assoie avec toi dans une assise d'adulte. D'abord, il va voir qu'ils vont discuter entre eux, il va apprendre avec eux le respect avec lequel ils se comportent. Il va échanger avec eux des sujets qui sont importants, même s'il ne va pas parler, mais il va écouter. Et l'autre chose, c'est qu'il va se valoriser. Je suis présent avec mon père, je suis présent avec ma mère, ou présente avec ma mère, avec des adultes, donc ça veut dire qu'on me donne de l'importance. Et d'autant plus lorsque les adultes commencent à valoriser l'enfant, à le questionner, à lui poser des questions, dans quelle école tu es, en quelle classe tu es, quelles sont les notes que tu as eues. Donc c'est pour le valoriser et lui dire que ta présence parmi nous est importante et tu as toute ta place que tu mérites parmi nous. Tu n'es pas quelqu'un qui est à la marge et à la touche, comme on le fait malheureusement assez souvent avec nos enfants. Regardez ce que rapporte l'imam al-Bukhari sur le Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiallahu anhu. Ce dernier dit, un jour dans une assise, on a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam une boisson. En général, c'est du lait mélangé avec de l'eau. Et donc, à gauche, à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jeune enfant. Et à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les grands compagnons. Donc, ça ne peut être que Abu Bakr, Omar, Uthman, Abu Ubaid ibn Jarrah, les grands compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a bu, il s'est adressé au jeune homme. Il lui a dit, est-ce que tu m'autorises à ce que je donne à boire à ceux qui sont sur ma gauche? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseillait toujours les musulmans de commencer par la droite. Tu veux donner à quelqu'un à boire ou à manger, donc tu commences toujours par ta droite. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que c'est l'enfant qui est à sa droite. Et là, il a voulu honorifier les vieux. Il aurait pu le faire directement. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que l'enfant a un droit. L'enfant a un droit. Et donc, il a voulu le questionner et lui demander l'autorisation. Est-ce qu'on peut faire une exception à cette règle? Est-ce que tu nous autorises à faire exception à cette règle? Ou veux-tu qu'on maintienne la règle avec toi? Donc, m'autorises-tu à ce que je donne à boire à ceux qui sont sur ma gauche? Et regardez l'enfant, ça vous montre aussi l'intelligence qu'il avait. L'enfant a dit, non par Allah, non, je ne donne pas ce droit-là. Non par Allah, je n'accorderai à personne le privilège de la part qui me revient de toi. Je n'accorderai à personne le privilège de la part qui me vient de toi. Autrement dit, c'était un privilège que de boire juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De toucher le récipient, de boire du récipient directement après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une baraka, c'est une bénédiction. Donc lui, il n'a pas voulu privilégier d'autres pour cette bénédiction. Et ça, c'est connu aussi dans la religion. La ithara fil ibada. Il n'y a pas d'altruisme dans l'adoration. Dans les hasanats, il n'y a pas d'altruisme. Je suis à la deuxième rangée de la mosquée. Une place se libère à la première rangée. J'avance. Je ne dis pas à quelqu'un, vas-y. C'est comme si moi, j'ai pas besoin des hasanats. Vas-y, je te privilégie par rapport à moi dans les hasanats. Non. J'avance tout de suite. Il y a la concurrence. Sari'u, sabiqu. Il y a la concurrence lorsqu'il y a des hasanats à gagner. Donc l'enfant, là, il a vu qu'il y a une bénédiction à avoir. Il n'a pas voulu privilégier quelqu'un avant lui. Donc il a dit, non, je ne donnerai pas ce droit à quelqu'un d'autre. C'est moi le premier. À moi de boire le premier. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a tendu directement le récipient. C'est ton droit. Donc je ne te le retrancherai pas du tout. Donc ceci, imaginez l'enfant dans cette situation. D'abord, il va se sentir valorisé. Ça, c'est la première chose. Et ceci nous montre aussi que sa présence était acceptable de tout le monde. Parce que le prophète, imaginez qu'il n'était pas le bienvenu. Le prophète, il va dire, mais pourquoi vous me ramenez ce gosse-là? Et en plus, il veut la priorité par rapport aux autres. Sors d'ici. Non, le prophète lui donne la même place que les adultes. Et donc là, l'enfant se sent valorisé.
Et c'est ça l'islam. L'islam donne la même valeur aux enfants que les adultes. Et c'est ainsi que nous devons nous comporter avec nos enfants. Il ne faut pas toujours les infantiliser. Il faut leur donner de la valeur pour qu'ils se sentent des gens respectables et des gens qui ont de la valeur. Et bien entendu, lorsque je parle ici des assises, on parle des assises de bien. Les assises où on va apprendre la religion, où on va visiter la famille, des assises où on ne dit que du bien. S'il s'agit des assises où on va calomnier les gens, où on va faire de la médisance, là c'est même pas... Normalement nous, on n'a pas à y participer et on n'a pas non plus à faire participer nos enfants dans ce genre d'assises. Parce que c'est une manière de les égarer encore plus, et c'est une manière de les engager dans une schizophrénie parce qu'ils vont se dire ce que mes parents me promulent comme conseil, eux-mêmes ne les respectent pas du tout. Le dernier conseil, chers frères, pour aujourd'hui en tout cas, c'est de manifester une concordance des parents dans ce qu'ils interdisent ou dans ce qu'ils ordonnent à l'enfant. Il y a une grande erreur qui est inhérente dans nos familles, c'est que parfois le père ou la mère va interdire à l'enfant une chose ou lui ordonner quelque chose, et le conjoint va faire l'inverse ou aller à l'encontre de la volonté du premier conjoint. Le père a interdit une chose et la mère lui dit il n'y a pas de problème, je te donne une dérogation, ou vice versa. Ça c'est ce qu'il y a de plus néfaste dans une famille. Parce que déjà, l'enfant, il ne sait plus ce qui est correct de ce qui ne l'est pas. Mon père me dit d'aller à droite, ma mère me dit d'aller à gauche. Qui a raison? Forcément, ça va être celui qui va dans le sens de ma passion, de la passion de l'enfant. Alors que la passion peut être négative dans ce genre de situation. Et donc, à partir de là, l'enfant va se pencher beaucoup plus, sentimentalement parlant, vers le parent qui est le plus permissif. Et il va se braquer devant le parent qui est le plus dur, ou apparemment le plus dur. Et l'enfant ne distinguera pas entre le bien et le mal. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on commence justement à mentir dans le couple et dans la famille, à mentir sur le père ou sur la mère. Et on commence à cacher certaines vérités pour ne pas attirer l'attention du parent qui n'est pas d'accord. Et arrive un certain moment où lorsque l'enfant... a de la maturité, il commence à avoir de la force, il a l'adolescence, il se sent comme un homme. Donc là, il se révolte contre toute la famille. Il se révolte contre toute la famille. Et il prend sa mère ou le père comme un bouclier pour attaquer l'autre. Et à partir de là, on ne peut plus rectifier le tir. Donc les parents doivent être d'accord sur ce qu'ils veulent donner à leurs enfants comme principe. Et si jamais il y a une erreur de la part d'un parent, il faut en discuter en aparté, pas devant les enfants. Et lui dire, ce que tu as fait, c'est pas correct, donc on va essayer d'arranger le tir. Ou toi-même, celui qui a interdit, c'est lui-même qui va donner la dérogation. Pour montrer à l'enfant qu'il n'y a pas de contradiction entre les parents et qu'il n'y a pas d'opposition entre les parents. J'ai rectifié le tir moi-même. J'ai commis un tort, une erreur. Je suis en train de la rectifier moi-même. Je ne laisserai pas mon conjoint le faire. Donc sur ce point-là, il faut vraiment faire très attention, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, d'ici un jour ou deux, nous allons entamer la première dizaine du mois de Dhu al-Hijja. Vous savez que cette dizaine-là a énormément de mérite auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal a juré par l'ayyam al-ashr, l'ayyali al-ashr, donc par al-fajri wa l'ayyali al-ashr, il a juré par ces journées-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont les meilleures journées de l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jours pendant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours, que cette dizaine-là. On lui demanda au messager, pas même le jihad dans le sentier d'Allah. Il a répondu, pas même le jihad dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec ni l'un ni l'autre. Quelles sont les actions que nous pouvons accomplir pendant cette dizaine? La première chose, c'est la lecture du Coran. Il faut mettre un programme dans la lecture du Coran. Si vous pouvez terminer la lecture du Coran, ça c'est le meilleur. Vous avez une dizaine de jours, 6 hizb par jour, 3 le matin, 3 le soir. Vous allez terminer la lecture de tout le Coran et imaginez les hasanats que vous gagnerez en récitant toutes les lettres du Coran. 10 hasanats par lettre prononcée. La deuxième chose, c'est de respecter les heures de prière. Accomplir les prières à l'heure et essayer de les accomplir le maximum qu'on puisse le faire à la mosquée, dans un groupe, pour avoir le plus de hasanats. Respecter les sunan. Et surtout le rawatib,
les prières qui viennent juste avant ou juste après les prières canoniques obligatoires. Donc plus que jamais, il faut les respecter pendant cette dizaine de jours. La troisième chose, c'est de multiplier la mention de, et le rappel d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est ainsi que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire pendant cette dizaine de jours. At-tasbih, at-tahlil, at-takbir. Mettez un certain nombre, 100 fois, 1000 fois. Mettez un petit programme pour accomplir ces mentions et ces rappels dans la journée et dans la nuit. L'autre chose, c'est le jeûne de ces jours-là, ou de quelques jours, ou au minimum le jour de Arafah. Ça, c'est le minimum à faire. Sauf, bien entendu, le jour de Nahr, le jour de l'Aïd. Là, bien entendu, on ne jeûne pas. L'autre chose, c'est le veiller une partie de la nuit à prier, et notamment lors du dernier tiers de la nuit. Se réveiller avant le fajr, une demi-heure ou la trois quarts d'heure, et accomplir quelques prières avant le lever de l'aube. Et bien entendu, l'aumône, aider les pauvres, et surtout que vous savez que parfois il est difficile pour certains de se procurer un sacrifice, donc c'est l'occasion de payer un sacrifice pour ceux qui sont dans le besoin, qu'il s'agisse ici en France ou ailleurs. Donc c'est l'occasion de participer à répandre la joie parmi les familles musulmanes les plus démunies. En accomplissant ces quelques actions, bien entendu, on ne peut que remplir notre réservoir de hasanat, et on ne peut que se rapprocher de Allah tabaraka wa ta'ala et multiplier les récompenses qu'il nous attribue.